Et salut à tous, c'est Neurinos et on se retrouve pour une petite vidéo sur Baldur's Gate 3. Oula, j'ai cliqué, j'aurais pas dû cliquer. Non, tais-toi. Donc, j'ai un peu commencé le jeu. Le jeu est sorti hier au moment où je vous parle. Et là, actuellement, bon, il y aura des spoilers mineurs, mais actuellement, en fait, je cherche un druide du nom de Halcyn et je ne le trouve pas. Donc, on va le chercher. Là, je vois qu'il y a une sorte de petite maison. J'ai eu des indices en fait sur lui. Et vu que c'est un druide, il apparemment. Oh là. Ah, j'ai déjà rencontré cette dame. Elle a tué deux mecs devant moi. En fait, alors, il y a deux gars qui étaient en train de la confronter, qui disaient qu'elle avait kidnappé sa sœur. Et elle a tué les deux gars comme ça. Enfin, avec de la magie. Donc j'imagine que c'est une sorcière. Et là, elle force quelqu'un à manger. Donc, je trouve ça très chelou. Donc j'ai très envie de l'attaquer, mais je sais pas si c'est sage. Je vais dire ça. You know, I was gonna give you a swift kick up the arse and show you the door, but I think you and I could have a bit of fun together. Oula, ça fait un peu peur. Gods grant me patience. Accordez-moi Eat up, Mayrina. I won't say it again. Je pense que je devrais la tuer. Ah, oui, parce qu'elle les a... elle a tué son frère. Things will get messy. Well, you heard the lady. We don't want things to get messy. Écoute, toi, je t'apprécie pas trop, Astérion. Mais c'est la vérité. Je m'en fous qu'Astérion désapprouve. Je l'aime pas. Ah bah, tu m'étonnes. Je vais la tuer. Enfin, je vais essayer, en tout cas. Oula. Alors, elle est où? Hein? Qu'est-ce qu'elle fout? C'est pas une humaine. Voilà, j'en étais sûr. Oula. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Le paysage qui vous enterre urchant subitement. Un marais à l'épuranteur insidieuse assaillent soudain tous vos sens. C'est une illusionniste. Alors je m'y connais pas très bien dans l'univers de Donjons et Dragons. Je vous le cache pas. Alors, j'aimerais voir quelque chose, s'il vous plaît. Allô? Ah, c'est bon. Donc, il y a des monstres, d'accord. Elle est où, la sorcière? Elle est à l'intérieur, non? Elle est pas là? Bon, écoutez, on va s'occuper d'eux d'abord. Une petite attaque à distance. Tiens! Mange ça et toi recule ensuite. Ensuite, fin du tour. On va prendre. Si, hop. Est-ce que je fais un tir à. Est-ce que j'ai une attaque à distance qui est bien? Allez, on va essayer ça. Paf! Du poison. Tu es empoisonné. Toi. Non, mais descends. Ah, bon, bref. Tant pis. Trait de feu. Allez, et merde. Je me doutais que ça allait pas marcher parce qu'il y avait que 55% de chance de réussite.
Et c'est très peu. Ouf. Ah ouais, il faudrait que... J'utilise la même option sauter, il faudrait que je vois si c'est intéressant, selon les situations. Elle est où la sorcière? Ah, la saloperie, elle s'était planquée. Elle va s'en aller? Qu'est-ce qui se passe? Bon. De toute façon, on doit tuer ce mec. Et ce mec. 80%, ça doit aller. Hop, nickel. Ensuite, tu vas aller au cac auprès de lui et tu vas le pousser. Oh! Il y avait que 10% de réussite, il a réussi. Trop fort. Qu'est-ce que je peux lui envoyer dans la gueule? Ça, faut pas que je touche ma pote. Non, je vais éviter ça. Qu'est-ce que je peux faire? Enchevêtrement. Garantissent les créatures, ouais. Je vais faire du change-forme, je vais me transformer en araignée et je vais aller lui casser la gueule. C'est parti. C'est ça qui est bien quand on est druide. Ressources insuffisantes et merde. Bon, si je fais ça. Je peux... C'est pas grave, je vais faire ça. Tiens. Ah mince. Ah non, non, c'est bon. Pourquoi il y a du feu? J'ai pas tout compris, mais bon. Blessure ouverte sur... Eh merde. ça va être complexe. Attends, il a fait tomber Astarion? Oh mais on va te casser la gueule, mon vieux. Qu'est-ce que je peux faire comme attaque bien... Ah bah ça, ça fait pas mal de dégâts. Oh, ça, ça fait mal. Et ensuite, est-ce que tu peux aller aider? Non, pas assez de ressources. Bon. Toi. Tiens. Ok. Et ouais, tu peux pas trop te déplacer. C'est du feu. Bon, bah, pas vraiment le choix. Et toi, qu'est-ce que tu peux faire de chouette? Est-ce que je peux pas le pousser encore? Ce serait drôle. 10% c'est peu, non 10% c'est trop peu. J'ai réussi une fois, ça m'étonnerait que j'y arrive une seconde. Bon, tape-le. Voilà. On le lootera après. Mets-toi là, hop, fin du tour. Il reste plus que lui. Paralysé, bah bien sûr. Ah non, il reste ce gars-là qui est tout au fond. Et ensuite faudra aller explorer dans la maison parce que je pense qu'il y a peut-être un truc chelou. Avantage. Paf. Oh. Bah ça me paraît pas trop mal. On va avancer un peu. Mais pas trop non plus. Toi aussi. On va aller chercher le dernier. On va le cueillir. Hop. Allez viens. Ouais, fonce vers nous. On va t'apprendre le respect toi, tu vas voir. Si je fais ça. Impossible d'y aller. Ah mince, je me suis enchevêtré, quel con. Bon, j'ai quand même réussi à le toucher. Hop. Je suis une araignée, donc normalement je peux marcher là-dedans sans souci. Bouffe ça. Ah bah oui, j'ai touché les torches, c'est pour ça que ça brûle. Là donc, du coup, c'est parfait. Parce que. Parce qu'il brûle. Est-ce que tu peux pas tirer? Non. Bon bah... Est-ce que tu peux me charmer? Non. Soin des blessures, ça c'est bien ça. Ah mince, trop loin. Mode guérison, hop. Voilà, parfait. Mais il est con. Ah non, il voulait peut-être minimiser les risques. Ok. Ignis. Voilà. T'essayes d'échapper au feu, tu crames quand même. Rien à foutre. Et... Hop. Voilà, comme ça, ça étend les flammes. Il a combien de points de vie? Oh, il va pas s'en sortir facilement, à mon avis. Est-ce que tu peux tirer une flèche? Non, t'as pas de flèche, toi. Bah, essaye de tirer un sort.
Échec critique, zut. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il va pas s'en sortir. Vas-y, viens, viens, viens. Allez, viens, gamin. Adieu. Victoire. Ok, nickel. Bon. Bon, 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 bon. On va retourner à l'intérieur de la maison. Faut peut-être que je les loot, hein, d'ailleurs. Là, t'en as un. Agathe. Oh, ça, ça vaut de l'argent. Là, il y a un machin crevé. Herbe follet, ça c'est bien. Parchemin de protection. Parchemin d'immobilisation. Alors, voyons voir. Ça, je vais le mettre dans le... Je trie mes trucs par catégorie. Les trucs à droite, c'est les trucs à vendre. Les trucs à gauche, c'est les consommables. Et en haut, c'est le reste. Et du coup, toi, je t'ai pas encore fouillé. Si. Non, c'est fouillé, non. Ah, voilà. Tête d'os, ingrédients d'alchimie. On va voir ce qu'il y a dans la cage. Alors ouais, mais là il y a du feu. Est-ce que je peux l'éteindre? Oui, je peux. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Alors c'est pas du tout ce que je voulais faire à la base, mais... Parce qu'à base je cherche un druide. Mais... Visiblement, c'est pas ce que je suis en train de faire. On va juste faire un petit soin des blessures sur Astarion. Parce qu'il s'est quand même pris 2-3 trucs dans la gueule. Et on va continuer de marcher. Oula, j'ai un temps de charge. Ah non, c'est une sauvegarde automatique. Tu viens de tuer des gens devant moi et appeler des gobelins. Tu crois quand même pas que je vais te laisser faire. Ah, il y a des gens en stase. Il y a des trucs chelous. On va peut-être aller sauver le gars. Je sais pas ce qui se passe. Ow. Ah non, je me suis juste détransformé. Within the door recoils. I can't let people through, not again. Images flash. A man cowering, a bag open at his feet. Gold coins spilling onto the floor. His cries for mercy are cut short as the hag slices into him, dismembering him. D'accord. Stakingly. Donc ouais, là, c'est une méchante. Man's remaining flesh twisted and contorted, becoming the twisted surface of the door before you. Ah! Flee, you feel it cry. A scene appears in your mind. Two paladins and a cleric marching through the door, shrouded in the glow of the divine. Weapons brandished, they charge into the hag's lair. Ouais. Screams of terror pierce the air. You let them in? Naughty. That's a decade for each. You're mine for 30 more years, Petal. D'accord. You see an image of blue skies and sunshine as the door shudders a warning. Run. Its form flickers, and you realize that the door is transparent. Ah! Eh ben, si la porte est transparente, c'est que je peux la traverser? J'arrive pas à cliquer dessus en fait. Oui. Allez. Ça doit pas être très compliqué. Oh bah. Succès critique. You see the hag. She walks through the door. Its form shimmering. The lightest touch of hope
brushes your mind as the presence within retreats. D'accord, mais elle est pas ouverte la porte. Hint of life from within the door. You see the hag, eyes bright with glee as she sets fire to the door. With a jerk, you're pulled from the vision. The presence within shrinks, begging you not to run through it. Ah, écoute, t'es déjà maudit, mec, donc. A thief who tried to steal from Auntie. D'accord, mais je veux traverser quand même. Bon, qu'est-ce qu'il y a toi? Qu'est-ce que tu veux? Dead. Flesh rotten, bone shining. Lies. Non, tu vas pas le mériter. I see it. I see truth. See death. All future. Mais. Allez, vas-y, dis-moi. Never good. Never see. Never. Oh, tu m'emmerdes. Non, mais je vais pas te taper, mais tu m'emmerdes. Drow. Never drow. Monster, monster. My mind dripping. Flesh peeling. Ah, il est au courant. Il pense que je suis un flagelleur mental. En fait, parce, au tout début du jeu, c'est pas vraiment un spoiler, ça, c'est parce que c'est vraiment ça se passe. C'est littéralement les 5 premières secondes du jeu. On nous met un truc dans le crâne qui est censé nous transformer en flagelleur mental. Oh. Bon bah. Bon, est-ce que je peux péter ce truc déjà? Ouais, ça n'a pas fait grand chose. Est-ce que je peux péter ce truc? Non. Bon. Alors attendez, j'ai une idée. Est-ce que je peux... Je sais pas pourquoi j'ai utilisé du feu. Quel con! Bon, je voulais mettre le feu à la porte, mais c'est un peu raté. Qu'est-ce que j'ai comme truc dans mon inventaire que je pourrais faire? Mais tais-toi, mec, je m'en fous de ce que tu dis. Allez, crame la porte. Ah. Je veux traverser la porte. Rien ne m'empêche de vous franchir. Oui, je sais, là, il y a là, l'autre qui... Mais du coup, je peux pas passer. Enfin, selon la carte, je peux pas passer. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? J'appuie sur Alt pour voir les trucs avec lesquels je peux interagir. Il n'y a rien. On va explorer un peu. Il y a un elfe crevé, bon, bah... Oh, de l'or! Un anneau! L'anneau! C'est l'anneau unique. Efrine. Ouais, il est pas en très bonne condition, si vous voulez mon avis. Il m'a supplié de mettre fin à la maladie mortelle qui le rongeait. Et ça, qu'est-ce que je peux faire avec? Ok. Un visage apparaît, pas les déformés, par l'épouvante, tandis que les poings se mettent à marteler sans relâche la surface du verre. Est-ce que je... Je vais casser ça là-bas. Le cabine dont la bien-aimée voulait que sa beauté ne fasse jamais.
Ouais, vous m'emmerdez, je pète le miroir. Non, je m'en fous. J'ai dit, je pète le miroir. Imprécation, ça veut dire. J'ai jamais juste de 1 des 4 au jet d'attaque et au jet de sauvegarde. Et merde. J'aurais pas dû faire ça. My sweet Callum, whose beloved asked that his beauty never fade. Mais j'aimerais vraiment quand même réussir à traverser. Ça doit pas être si compliqué. Oh putain, allez, je vais le tuer, je vous jure, je vais le tuer, il m'emmerde. Tu veux que je fasse arrêter? Tu veux que ça s'arrête? Très bien, ça va s'arrêter. Et ferme-la maintenant. Voilà. Oh putain, il m'emmerdait. Hein. Parchemin, parchemin, une lame. Ok. La dague, elle est nulle. Ce sera dans les objets à vendre. Les parchemins. Hop, c'est des trucs à utiliser. La bouteille, je sais pas pourquoi je l'ai prise. J'en veux pas. Bon. Ah oui, mais attendez. L'appareil, il y a des trucs à regarder. Est-ce que je peux le péter aussi, ce miroir? Voilà. Je suis déjà maudite de toute façon. Qu'est-ce que ça change? J'aurais peut-être dû faire ça avant, en fait. Je me dis. Ça aurait peut-être aidé. Est-ce que je peux toujours... Allez, s'il te plaît, laisse-moi passer, je veux passer. Il y a l'autre connasse derrière. Bon bah d'accord, je laisse tomber, au revoir. Tant pis. Je me suis pris un malus. Un malus super cher. Comment on enlève les malus? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout comment on les enlève. C'était quoi ce truc? Ah, bulbe. Bon bah, on va remonter, hein. Écoutez, je sais pas vraiment trop ce qu'on peut faire d'autre. Non, non, je veux pas. Je voulais pas la prendre. Hein, je l'ai quand même prise. Tarte à la mélasse avariée. Mince, je l'ai aussi... Putain. J'ai dû mettre ça dans mon sac de provisions. Voyons voir. Est-ce que c'est là-dedans? Oui. Provision de camp 1. Tellement sucré que vous sentez à peine le goût de la mélasse. Bon, ça compte comme des provisions, donc je suppose que je peux garder. On va aller voir ce qu'il y a en dessous. Oh, il y a un nécessaire de distillation. Faudra que je regarde ça. Bon, écoutez, la nana s'est enfermée. Il n'y a pas de raison que je me prive. Hein. Oh, de l'or. Je vais la détrousser. Hein. Quitte à ne pas pouvoir la tuer, je vais lui prendre toutes ses possessions. Est-ce que je peux faire un truc avec ça? Possible d'ajouter dans l'inventaire. Bon, bah... Oh, des melons! C'est bien ça. Une chaise, ouais. Mais du coup, en fait, j'étais dans un marécage depuis le début et je m'en étais pas aperçu. Intéressant. Oh, une potion, ça je m'en fous. C'est juste le truc de cuisine. Hop. Je vais prendre toutes les potions. Ça peut être pratique. Potion de communication avec les animaux. Oh. Fancy en osier. Elle va revenir dans sa baraque et elle va faire... Oh, elle m'a tout volé. Ah non, je voulais pas faire ça. Bon, c'est pas grave. Provision, toxine simple. Ok. Alors ça, toxine simple, bah ça va aller dans les consommables, ça aussi. Ça pèse lourd ces machins là? Non, ça pèse 0,1, ça va. Chaudron, ça je m'en fous. Hop, je jette. Ça, est-ce que je peux le porter? Oui, je vais le porter. Bah non, remarque, c'est un truc que je vais vendre. Quoique je me demande si on peut enchanter dans ce jeu. Est-ce que je peux ouvrir la porte? Non, elle est verrouillée. Bon bah... Allez! 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 Et allez! Je vais ravager sa baraque.
Une barrière arcanique. Attends, je vais aller voir. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Balai pas de trésor. Mais c'est pas gentil. Oh, c'est la sorcière là qui nous emmerde. Ça c'est quoi? Portion de fromage de... Oh, Berk. Ouais, hein, ça donne pas vraiment envie comme... Attendez, je peux y aller? Oh, j'ai pas trop envie. Hein. Ça me dit rien qui vaille. Bon, de toute façon, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait marrer de la faire. Juste, bon, bah, je me suis pris un sacré malus dans la gueule. Hein. Visiblement, vous l'êtes peut-être que je tire. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que, ouais, voilà, qu'elle vous aura plu. C'est ce que je disais à l'instant. Et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!